qui vient passer dans une très bonne position. Le deuxième champion pour le match officiel. Donc, un coup restaurant, il s'agit de Paul Chéry, qui est venu dans la sensation de reculer. Le petit frère de Pierre, qui a bien fait son compte, il est vite la première année. Et c'est une victime d'un bon match de la famille. La fin du deuxième tour, deuxième groupe. Suite du tour. Allez.
Monsieur de Frêne, à la branche APS, ce qui continue de progresser actuellement. Allez, un peu vers sur la ligne qui se reproduit au début des lignes. Allez, 2:40 de retard, 2:40 de retard ici pour le peloton principal, le peloton dans lequel on a environ 70 coureurs présents. Voilà, 70 garçons à l'essai, aux spécialistes pour le pas de il veut mettre 5 heures sur la route bretonne de statu quo. Le peloton est groupé maintenant beaucoup la place de la première heure. On est en 50 km de course. Elle est à 4 tours de l'arrivée. Bretonne. Et voilà le peloton. C'est bien. Pense au dossard. Tour de l'arrivée. Le contre. Premier du... Ouais, il y est toujours. Allez, Coco! Superbe! Les places d'honneur également avec l'arrivée du dossard numéro 1, Flavien Bonnet, qui sera, me semble-t-il, en top 15. On va attendre l'arrivée du peloton. Voilà,
15, ici c'est l'arrivée pour Alessio Bourbeau. On va changer de allez, prochain ami maintenant. Alors, on peut les applaudir, mesdames, messieurs. L'arrivée donc de ce trophée Daniel Robin, l'arrivée pour tous les courageux de cette épreuve. On le répète hein, sans cesse chaque année. 71 km, c'est pas très long, mais ça suffit, compte tenu de la difficulté du parcours et de cette course.